Quelles sont tes impressions après cette course? Ben, c'est que de la joie, franchement, c'est excellent de lever les bras dans une ville avec du monde sur la route. Le monde m'a vraiment poussé dans les derniers kilomètres depuis mon attaque à Mandpito. Mentalement, c'était un combat contre moi-même, c'était vraiment à l'arrache. J'essayais d'être le plus aérodynamique possible sur le plat pour lui reprendre du temps. Et la montée de l'estrade, ça s'est fait à l'arrache. Et après, j'ai réussi à rentrer sur lui, j'ai contré directement. Et voilà, c'est que du bonheur de lever les bras, de pouvoir savourer. Et je remercie énormément de monde, ouais, la famille, la direction sportive, le club, les sponsors, Monsieur De Fontis pour l'invitation, tous les spectateurs au bord de la route, tous ceux qui me permettent de faire cette course, mon entraîneur. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que c'était prévu dans le plan de course du Madinina, de Mantic, pardon? Madinina, c'était il y a 2 ans. Moi, personnellement, j'avais coché cette étape parce que sur le papier, elle me plaisait beaucoup. Et une fois devant, je me suis dit, allez, c'est trop bête que le groupe de Bennett y rentre. Autant attaquer et tenter sa chance tout seul. Et voilà, j'ai bien géré mon effort et ça l'a fait. C'était de la souffrance, mais ça l'a fait.